Wow, les amis, une tempête se dirige vers nous, elle sera là dans 2 minutes. Il faut qu'on se mette à l'abri. Alors, je vois qu'il y a pas mal d'immeubles, pas mal de maisons autour de moi, mais non. Moi, ce que je veux, c'est construire ma propre maison. Et ouais, effectivement, en 2 minutes, j'ai largement le temps. Alors, on va récolter un maximum de bois. On va apporter ça au niveau des fondations. Hop, voilà, on commence à avoir des petits murs sympas. Je suis pas sûr que ça résiste à l'envahisseur, à une grande tempête, mais bon. On va faire notre mieux, les amis. On a plus qu'une minute trente pour construire cette maison. Nous sommes sur le jeu aujourd'hui. Storm is coming. Autant vous dire que littéralement en français, ça donne la tempête approche. Effectivement, ça, on l'a compris. Oh, y a personne dans la ville. Tout le monde est à l'abri. C'est incroyable. Tout le monde est chez soi. Et moi, je suis là à construire tranquillement ma maison. Oh, il manque plus qu'à toi et on commencera à être pas mal. Mais vraiment, je ne suis pas sûr que ça va tenir longtemps. Allez, elle arrive dans 1 minute. Vite, 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 vite. Allez, on fait le toit. Hop, voilà, c'est bon. La tornade peut venir. Moi, je suis prêt. Let's go. On est là. On va y arriver. On va tenir les mêmes deux. Et attention. Wow, on a réussi, les amis. Heureusement. C'était juste. Bon, comment ça se passe pour ce niveau 2 qui s'annonce beaucoup plus compliqué? On a beaucoup plus de choses à construire parce que là, nous sommes sur une île et les tempêtes frappent beaucoup plus fort sur les îles. Et ça, c'est un problème. L'avantage, c'est qu'on a du bois de qualité. Là, franchement, on va faire une maison beaucoup plus sophistiquée. Ha, imaginez si je ne finis pas la maison au bout des 1 minute 30. Qu'est-ce qui se passerait? Je ne sais pas. On va essayer de la finir. On va pas s'embêter là quand même. Oh, ou alors on pourrait prendre le bateau qui est juste au-dessus là et on pourrait partir. Je ne sais pas quelle est la meilleure idée, les amis. Je pense que je vais avoir le temps de la terminer. Donc autant la terminer. Allez, plus qu'une minute 20. Hop, on a terminé déjà tous les murs. Attendez, on est parti. Je pensais qu'on allait faire le toit là. On est parti à faire une terrasse ou quoi là? Non, mais on n'a pas trop le temps de faire une terrasse. Ah non, c'est bon, c'est effectivement le toit qu'on est en train de faire. Un toit spécial pour les tempêtes. Un toit résistant, les amis. Ah, je m'y connais en construction, moi. J'ai travaillé dans le BTP toute ma vie. Allez, je pense que ça devrait suffire. Donc, pour terminer cette maison. Ah oui, on a fait effectivement une petite terrasse. Mais attendez, on va se faire une piscine aussi ou quoi là? Comme si on avait le temps d'améliorer tout ça. Mais non, on devrait s'arrêter là, non? Ok. Ah bah écoutez, on va faire ce qu'il y a à faire là. D'accord. C'est vrai que les petites barrières devraient être pas mal utiles contre la tempête. Par contre, il nous reste 30 secondes et j'ai pas terminé la maison là. Il faut se dépêcher. Allez hop. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une nouvelle terrasse? Ah oui, d'accord, une terrasse couverte. Très bien. Oh, on n'a pas le temps pour ça. Il faut que j'aille à l'abri. Ok, il me reste juste à terminer. Et c'est bon. La terrasse, au moins, est protégée. Oh. Non, mais c'est même pas une tempête, les amis, c'est un tsunami. Attention! Waouh! Incroyable, je suis trop fort en construction. Allez, mettez-moi la suite, là. Ah. Maintenant, il faut que je mine. D'accord, les rochers. Oui, on va faire des maisons un petit peu plus opaques qui vont tenir le choc un petit peu plus parce qu'à mon avis, les prochaines tempêtes vont être beaucoup plus ouf. Alors, est-ce que je peux péter avec ma hache? Mais oui! Mais attendez, parce que j'ai pris du bois pour rien, en fait. Le bois, va me servir à rien, là. Ma maison est full pierre, comme ça, là. Ah ouais, mais peut-être que c'est pour le toit. La toiture sera en bois, je sais pas. Bon, bah écoutez, on va se prendre un petit peu de pierre. Oh, mais imaginez si ensuite, il va falloir prendre d'autres matériaux, des minerais ou je ne sais quoi. En tout cas, là, on a eu 3 minutes et non pas 2 pour faire la maison. Bah oui, elle est beaucoup plus lente. Parce que là, il faut de la roche et c'est un peu plus dur à miner, quoi. Alors, ok, on est à 15. Là, on est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir se faire tous les parpaings comme ça. Incroyable. Oh, par contre, la maison, ok, elle est plus résistante. Mais maintenant, elle est toute petite. Non, mais attendez. Moi, je n'ai pas signé pour vivre dans un 2,5 m², quoi. Attendez. Ah ouais, non, on commence à faire le toit tout plat comme ça en pierre. Il va être beaucoup plus résistant, ça, c'est sûr. Et là, je pense qu'on va commencer à être pas mal. Voilà, 10 pierres. On a de quoi terminer. Le toit! Hop là! Ah, ben oui, la petite terrasse, évidemment! C'est vrai que c'est important! Hop, voilà, on développe ces petits pylônes, histoire de tenir tout ça très bien pour un petit café demain matin quand la tornade sera passée. Alors, il me manque juste une petite pierre et normalement c'est bon. Hop, on termine ça et... Ah, là, il faut mettre le bois, voilà, c'est bon, ça tombe bien, j'en avais déjà. Par contre, il m'en manque un petit peu. Salut? Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais non, mais c'est lui, en fait, il va m'attaquer avec des trucs bizarres, non? Oula, attendez. Au début, c'était censé être une tempête, et là, je vais me taper quoi? C'est un volcan! J'avais pas capté que c'était un volcan! Non! Aïe, 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 aïe. Ah! Wow, wow, wow!
C'est bon? Ça va? Tout va bien? On a résisté encore une fois les amis, let's go! Alors vu que j'ai gagné un petit peu d'argent, est-ce que j'ai pas la possibilité de double booker? Oh, je pourrais prendre qui là? Le petit gangster là. Hop là. Oh. Et là, je suis pas stylé, franchement. Et oh là là, on va avoir une maison tellement grande. Et c'est quoi qui va nous attaquer cette fois-ci? Est-ce que je peux être prévenu? Je pense que ça va être une tornade parce que regardez, on est là où on était dans la ville tout à l'heure. Et ce qui est bien, c'est que mon gars, il arrive à porter. Quoi? What? Attendez les amis, il y avait 64 de stun là pour gagner du temps. J'ai fait la moitié de la maison, merci au petit don que j'ai reçu. Hop, on termine ça, et voilà. Mais il me reste quand même un de ce côté-là, et on est prêt pour le prochain désastre. Oh. What, c'est un tremblement de terre cette fois-ci. Ça a tenu? Oui, ça a tenu. Ah, on a maintenant la possibilité d'avoir déjà accès à une petite bétonnière qui est juste là, qui va nous permettre de faire du ciment, et donc sûrement des maisons beaucoup plus sympathiques, qui tiennent beaucoup plus. Allez, hop, on récolte ça, et allez, mais il va me falloir de l'eau, non? Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille chercher de l'eau comme ça? Ah non, je peux pas. Ah non, c'est carrément des sacs de ciment qu'il va falloir que je trouve. Où est-ce qu'il y en a? Ah, mais voilà, c'est bon, je suis en train de le faire. Là, par contre, j'ai absolument rien commencé, et elle arrive dans 3 minutes, hein, donc il va falloir peut-être se dépêcher, là. Est-ce que j'ai assez? Hop, voilà, mets-toi à l'intérieur. Mais oui, me voici avec 9 sacs de ciment maintenant, et on peut construire donc les murs. Oh, alors cela par contre, va les bouger, mon pote. Ha! C'est pas un petit tsunami qui va me faire peur. Ok, 10 sacs de ciment pour moi, ça me permet de faire 2 murs et demi. Est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir, là? Y a quelqu'un qui est tranquillement en train de bronzer ici? Mec, je sais pas si t'es au courant, mais dans 2 minutes, mon pote... va falloir courir, hein, je te le dis, moi. Alors, attendez. Je vais mettre ça, et normalement, là, je vais avoir une dizaine de sacs de ciment. Je vais ramasser tellement 12. Ok, on va pouvoir terminer la maison, je pense, à part le toit. Ok, c'est encore des sacs de ciment. On arrive dans 1 minute 45. Allez, il nous reste tout le toit à faire. Vite, il me reste 1 minute. 1 minute, allez, à 15 sacs. Oh, j'ai de quoi tout finir. Ah ouais, non, bah alors, il faut la terrasse. Mais sinon, il me reste un peu de bois. Hop, on met ça, et let's go. Oh, attention au toit là-bas. Qu'est-ce qu'il vient? Il est encore en train de bronzer, le type, il a pas vu. Oh oh, toi t'es mort, mon pote. Attendez, parce que ma maison a tenu, ça c'est pas une surprise, mais l'autre il a tenu aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi ça? Ah, regardez, je suis en train de me faire livrer des briques. Ah, mais merci beaucoup, hein. Allez, hop, on va prendre tout ça. Hop là. Oh, la maison rouge, tellement classe, la maison Red Kill. Ah, faut que j'aille sûrement au truc en haut à droite pour faire les briques. Ah bah oui, il va falloir réchauffer tout ça. Tac, et comme ça, on a des belles petites briques magnifiques. Oh, j'en ai 12 maintenant. Alors, je vais pouvoir faire 2 murs et demi avec ça. Ok, me revoici maintenant avec 15 petites briques. On va pouvoir terminer tous les petits murs. Voilà. Oh, il faut des rochers maintenant, de la stone. Je pense qu'il m'en faut au moins 70. Il me reste 1 minute 30. Là, je suis à 36. Ouh, c'est que ça va être limite, ça, parce que j'ai l'impression que le camion en haut à gauche, là-bas, il était censé m'en donner. Et... Bah, il a pas l'air de bouger, hein. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Surtout que je peux pas ramasser la brique, là. Ouais, non, il est bugué. Bon, bah, allez, on va mettre tout ça là. Hop, on termine le toit. Enfin, plutôt, on le commence parce qu'on le terminera pas. Il nous reste 1 minute 13. Plus que 45 secondes maintenant. J'en ai 24 sur moi. Hop, je sais pas si ça va être suffisant. Je ne crois pas. Non, faut que je me dépêche. 37 secondes encore. Allez. J'espère qu'ils vont pas nous demander en plus de faire une terrasse ou je ne sais quoi. Combien il m'en faut là? Pas beaucoup. 5. Voilà, bouge, fais vite, il reste 20 secondes. Je vais mourir, les amis. Vite, allez, on ramène ça. Allez, il reste plus grand chose. 18 secondes, s'il vous plaît, me demandez pas un petit supplément. C'est bon, plus qu'une. Il reste 10 secondes, il reste 10 secondes, c'est bon. Non, il restait, j'avais pas vu, il restait un petit bout de bois. 5 secondes, allez vite, c'est bon. Wow, les amis, c'était tellement juste pour la tornade de boue. Let's go, c'est la win. Alors, qu'est-ce que tu vas faire face à tout ça? Belle maison en briques, incroyable. Bon, écoutez, les amis, on aura plutôt pas mal résisté à l'envahisseur. On a réussi à survivre à tout un tas de catastrophes naturelles. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Nous, on se dit à la prochaine. Salut à tous, c'était Red Kill. Bye tout le monde.